Une bonbonne, deux bonbonnes, trois bonbonnes par jour. C'est parti jusqu'à 6 bonbonnes par jour, toute seule. J'arrivais plus à m'arrêter. Vous vous rendez compte quand même, 6 bonbonnes par jour? C'est beaucoup quand même. J'ai commencé à faire des ballons de protoxyde d'azote. J'ai commencé en avril. Ça a commencé avec un ami à moi, pour rigoler et tout. Je pense que aussi, quand j'ai commencé à faire ça, j'étais pas dans une très bonne période. Et le problème, c'est que quand la période où j'étais pas très bien, ben, j'en ai fait. Et à ce moment-là, en fait, c'est que à chaque fois que j'en faisais, ben, ça me faisait tout oublier, en fait. Ça me faisait oublier tous mes problèmes, mes soucis et tout. Et donc, du coup, je voulais rester dans ce truc-là, en fait. Je voulais rester dans le truc où je calculais rien autour de moi, en fait. Ça m'a rendu un petit peu accro. Ouais, c'est le mot, accro. J'ai commencé à en faire de plus en plus. Une bonbonne, deux bonbonnes, trois bonbonnes par jour. C'est parti jusqu'à 6 bonbonnes par jour, toute seule. J'arrivais plus à m'arrêter. Au début, ça fait rigoler, mais après, ça fait plus rigoler, en fait. Après, en fait, ça devient comme un oxygène. C'est un deuxième oxygène, en fait. J'avais besoin de respirer. Juste, ça me soulageait. Ça me soulageait, en fait. Comme si, en fait, je fumais des cigarettes. J'en avais besoin. C'était un besoin, vraiment un besoin. Je vais vous dire la vérité, moi, quand je me réveillais le matin, c'était la première chose à quoi je pensais. Comment je vais avoir mes ballons aujourd'hui? Et je sais que des fois, je me réveillais à 8h du matin, mais il y avait ma bonbonne à côté, ben je faisais des ballons à 8h du matin. Au lieu d'aller boire mon petit lait, ben non, moi, je faisais des ballons. Tout simplement. J'arrivais plus à vivre sans, en fait. Dès que j'en prenais pas, ben j'étais pas bien. J'étais pas bien quand j'en prenais pas. Alors, au début, j'ai commencé à avoir des... quand je le faisais, des fois, je m'endormais et je me réveillais peut-être 2 heures après, en fait. Je perdais connaissance. Des fois, je me suis réveillée par terre. Je ne savais même pas à quel moment j'étais tombée. Et après, j'ai commencé à sentir des fourmillements dans les pieds. Au début, vraiment des fourmillements, mais des fourmillements qui ne partent pas, en fait. Des fourmis qui restent, quoi. Ça a commencé dans les pieds, ensuite, c'est monté. Après, à un moment donné, je touchais ma jambe ici. Quand je touchais ma jambe, ben en fait, je ne sentais pas ma jambe. Je savais que je touchais ma jambe parce que je le voyais. Mais je ne sentais pas du tout ma jambe, en fait. Ça atteint aussi mes mains. Mes mains, ça veut dire que même je prenais une bouteille, je n'arrivais même pas à l'ouvrir. Mais, comme je vous ai dit, en fait, je me mentais à moi-même, en fait. J'étais tellement accro que je me disais, ça va passer. Ça va passer, c'est pas grave. Et en fait, ça m'a atteint même psychologiquement parlant. J'étais plus la même. C'est que je pétais des crises pour rien. Ça veut dire que je pleurais, ensuite j'étais bien, ensuite j'étais pas bien. Ça m'a mis dans une dépression, mais totale en fait. Totale, vraiment. Un jour, j'ai essayé de me lever chez moi. Et je venais de finir une bonbonne. Et j'ai essayé de me lever pour aller, je sais plus, dans la cuisine, aux toilettes, un truc. Et là, en fait, je suis tombée direct. J'ai essayé de me lever, bam, je suis tombée. J'ai réessayé de me lever, je suis retombée. Là, j'ai appelé les pompiers, ils sont venus me chercher. Et après, chaise roulante et tout le bordel, quoi. Ouais. Et c'est dur, hein, pour quelqu'un qui est dans la restauration comme moi, qui a l'habitude d'être assez speed, se retrouver du jour au lendemain en chaise roulante, c'est très, très, très dur. Psychologiquement, vraiment, ça m'a mis un coup. Et je m'en suis voulu parce que je me suis dit, je me suis retrouvée à l'hôpital, mais même pas par rapport à un accident que j'ai eu ou quoi, c'est je me suis retrouvée à l'hôpital par rapport à moi, en fait. C'est moi qui me suis fait ça, toute seule, en fait. Ça a été aussi une leçon de vie aussi, j'ai envie de dire. Ça fait, ouais, depuis juin que je fais de la rééducation, ouais. Je suis restée jusqu'au mois de août, ouais, fin août. Je suis restée jusqu'à fin août à l'hôpital. Donc de juin jusqu'à fin août, j'ai réappris à réouvrir des choses, j'ai réappris à réécrire. J'ai tout réappris petit à petit. Après, bon, à l'hôpital ici, j'ai eu beaucoup de soutien, vraiment beaucoup de soutien. Les médecins, la kiné, les infirmières, vraiment tout le monde était au top ici. Quand je suis arrivée ici, j'étais complètement en dépression. J'étais vraiment pas bien. J'ai pleuré, après j'étais bien, après j'étais pas bien. C'était, voilà. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, vraiment. Ça va mieux, mais bon, j'ai encore un petit peu des séquelles quand même. Bon, j'espère que ça va partir. Mes doigts de pied, j'ai encore un petit peu de mal. Bon, j'arrive à les bouger, mais je retrouve pas la force que j'avais avant, en fait. Avant, je les sens encore un petit peu bizarres, en fait. Mais sinon... j'ai retrouvé, ouais, je pense, 80% de mes capacités, quoi. Ça a pris des mois et des mois, vraiment. Et vraiment, ce que j'ai vécu là, je le souhaite vraiment à personne. Franchement, c'est horrible ce que j'ai vécu. Ça m'a gâché ma vie, moi, vraiment, parce que tout l'été, déjà, je l'ai passé là. Je n'ai pas pu travailler, je n'ai pas pu aller en vacances, je n'ai pas pu... Même mon fils qui est venu me voir dans cet état-là,
j'étais pas bien. Et en gros, c'est un mauvais exemple, en fait, que j'ai donné. Mais je pensais vraiment, vraiment, vraiment pas que j'aurais eu tout ça par rapport au ballon, quoi. Non, franchement, je m'attendais pas du tout. Quand on fait des ballons, on sait pas que c'est aussi dangereux, en fait. Parce que comme ça se vend comme ça, l'épicerie, des choses comme ça, comme si on vendait du coca, en fait. Vous rentrez dans une épicerie, vous le trouvez normal. Donc je me suis dit, en fait, c'est que s'ils le vendent comme ça, en vente libre, c'est que c'est pas aussi dangereux que ça, finalement. Les personnes qui veulent essayer de faire ça, je pense vraiment que vous devriez pas. Vraiment. Mais vraiment, le protoxyde d'azote, c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas commencer. Parce que quand vous le commencez, vous n'arrivez pas à vous en séparer, en fait. Et c'est quelque chose qui te rend vraiment accro tout de suite. Parce qu'en fait, dès que tu finis la première bonbonne, tu as tout de suite envie d'en refaire derrière. Tout de suite. Et bon, après, peut-être qu'il y en a qui le gèrent. Mais bon, après, je pense pas que tout le monde puisse le gérer. Parce que moi, au début, je pensais que je pouvais le gérer. Je pensais vraiment qu'au début, je me disais, non, ça va aller, je vais en faire une, après, non. Mais non, en fait, j'ai pas réussi à gérer du tout. Vous vous rendez compte, quand même, 6 bonbonnes par jour. C'est beaucoup, quand même. Au jour d'aujourd'hui, franchement, quand j'y pense, je me dis que je sors de loin, quand même. Je sors de loin parce que j'étais tellement addict. Et franchement, je pensais vraiment pas que j'aurais pu m'en sortir, je vous dis la vérité. Parce que j'étais tellement dans un état déplorable que je voyais pas la sortie, en fait. Je voyais pas le fond du... J'étais perdue. J'étais vraiment perdue. Si tu veux voir notre reportage en intégralité, n'hésite pas à cliquer ici. Si tu veux voir notre dernière vidéo, surtout, c'est là. Enfin, si tu aimes Envoyé Spécial, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. C'est là que tu recevras toutes nos vidéos.